Bon, tout d'abord, on a commencé par aller dans un magasin de périculture. Pas pour nous, c'était parce qu'il y avait une autre naissance. Et quand je suis ressortie de là, j'étais un peu déprimée en me disant, il va falloir choisir entre tout ça, il y a trop d'articles. Pour un seul article, il y a 1 000 choix, comment on va faire? Et donc, dans un premier temps, j'ai tempéré, j'ai plus trop voulu aller dans les magasins. C'était en début de grossesse, donc on a surtout discuté avec mon conjoint, avec l'entourage, ce qui était plus nécessaire, avec la famille aussi, beaucoup, avec les parents. Et donc, on a commencé comme ça à se rendre un peu compte des indispensables, en tout cas en termes de matériel de puériculture. Donc les indispensables, effectivement, ça a été le lit, la chambre. Bon, maintenant, certains prennent le choix de juste prendre un lit et pas nécessairement les meubles qui vont avec, mais nous, on s'est rendu compte que pour nous, c'est un indispensable. La poussette, évidemment, ce qui est siège bébé. Et alors, pour le reste, c'est vrai que on s'est un peu moins focalisé et qu'on s'est plutôt laissé cadrer alors par la vendeuse au moment d'établir la liste de naissance.